idée est venue lors d'une rencontre qu'on a faite avec Kalissa Rugano, qui est un homme très respectueux en matière de... D'ailleurs, en sa personne et en même temps, en ce qu'il enseigne aux nouvelles générations que nous sommes. Et il nous a approchés. Il nous a dit que on peut organiser un spectacle qui relie l'art et l'histoire. Et il nous a parlé de Kazerugamba, une chanson qu'on a chantée pour le monarque, donc le roi Ntare Rugamba. Et nous, en tant que une jeunesse qui œuvre dans le secteur culturel, on a bien accueilli la proposition, vu que la culture rwandaise et burundaise sont des cultures qui se ressemblent. Et puis on s'est mis alors à organiser, à mettre à faire la mise en scène de tout ce que nous avons comme trésor culturel des deux pays. Ce n'est pas seulement nos compatriotes burundais, mais c'est toute personne soucieuse de pérenniser la culture des deux pays, c'est-à-dire la culture burundaise et la culture rwandaise en particulier, mais la culture africaine en général. Vous savez, nous avons été, je dirais, dans des périodes de déstabilisation de la culture par la colonisation. Et donc, du coup, il est grand temps que la jeunesse burundaise et rwandaise sache qu'elle doit apporter sa pierre angulaire pour construire les deux nations, surtout en matière de paix, d'unité et de développement.